me fixes les yeux comme ça. Je ne fais qu'admirer ta beauté. Tu es vraiment très belle, sans quoi, je te dis franchement. Hey! Trop chou! Hey! Tu veux encore commencer? C'est ce que tu m'as dit incessamment dans les 6 ans de mariage que nous avons fait. Et je ne puis arrêter de le dire. Je sais que tu as faim. T'as faim, n'est-ce pas? Sais-tu pourquoi je ne puis cesser de parler de toi? Pourquoi? Tu sais parfaitement prendre soin d'un homme. Et je t'aime. Et je t'aime aussi, bébé. Nous devons aller manger avant que tu ne me perces avec tes regards. Ne t'en fais pas, je vais gérer, d'accord? Allez, tiens ta cuillère. Ouais. Père, bénis ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Sérieux, j'adore. Non, c'est bon. Attends, je vais te faire manger. Allez, ouvre la bouche, s'il te plaît. Nourris-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi. Y'a un gibier là. Lève-toi. Allez, bouge-toi. Je viens avec toi. Attends. Mon amour, écoute, si tu veux vraiment me suivre, garde un silence absolu, ok? Chut, c'est un gros gibier. Mon amour, tu vois ce que tu as créé? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je t'ai demandé de garder un silence absolu. Voilà que tu as chassé mon gibier à cause de ton rire. Et tu continues de rire. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Désolée, mon Dieu. La façon dont tu suivais ces gibiers était vraiment drôle, t'amusant. Regarde comment tu faisais. Avec ton arme, potop. Pas pu me retenir, désolé. C'est comme ça que tu chasses les gibiers à chaque fois que tu viens à la brousse. Et imagine un peu la bénédiction que cela m'aurait apporté. Hein? J'aurais pu en vendre pour trouver de l'argent pour nous deux. T'inquiète, chaque jour suffit sa peine. Dieu a demandé à tous les gibiers d'aller se cacher aujourd'hui, alors tu ne verras aucun d'eux. Et tu étais là en train de... Pata. Tu es vraiment... Et n'implique pas les dieux dans tout ça. Hein? Tu es juste la cause de ma malchance. Oui, j'aurais juste dû bien calculer. Et comme ça... Non. Calme-toi. Tu veux dire que c'est moi qui t'ai causé tout ça? Non. Tu as ouvert ta bouche pour dire que c'est à cause de moi que tu as raté ces gibiers? Ok. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Je rentre à la maison. Reste seule, continue ce que tu es en train de faire. Ne m'appelle plus jamais ici. Fais tes trucs. Seule, comme tu en as toujours l'habitude.
Chérie, amour à moi, ma pleine lune, mon gros bébé. Si je ne te suis pas maintenant, qui d'autre vais-je suivre? Tu sais très bien que je n'ai que toi, bébé. Quel que soit ce que ton cœur te dit maintenant, tu sais très bien que je t'aime. Je t'aime. Allez, laisse-moi, laisse-moi. Tu m'aimes et puis tu es en train de dire que je suis la cause de ce que qui t'est arrivé. Non, tu sais que j'étais sur le point de tirer sur la chèvre avant que tu ne... Avant que tu commences à rire. Hein, alors je ne devais pas rire. Arrête ça. Regarde, tu veux faire ton tour maintenant? Allons-nous-en, allons-nous-en. Tu dois prendre cette machette pour vas-y, moi. Vas-y, ramasse-le. C'est à cause de toi que j'ai mis ça au sol, alors tu dois le prendre pour moi. Bien, je vais continuer. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Manger, non? Tu veux continuer à manger? Puisque j'ai raté cette nourriture-là, je ne raterai pas celle-ci, car c'est celle de ma femme. Dans ce cas, nous devons continuer ensemble. Attends-moi, j'arrive. C'est tout ce que tu as à dire. Alors, désolé. Prends la mienne. Mangeons. Bien, devons-nous prier encore? Bien sûr, il n'y a pas de problème, nous devons encore prier. Mon amour, t'es toujours fâché contre moi. Je suis désolée. Je sais, je sais. Alors pourquoi ton visage est comme ça? Je pense que tu as raison. J'étais en train de réfléchir. Peut-être que toutes ces chèvres dans la brousse étaient allées à une réunion avec leurs ancêtres. C'est pourquoi... nous étions incapables d'en attraper une aujourd'hui. Désolée. Je suis désolée, ok, c'est bon. D'accord. C'est pas grave. La prochaine fois, je sais que tu... Excuse-moi. De toute façon, tu es en train de bailler là. Ne me dis pas que tu as faim. J'ai très faim, oh. Tu as faim? Bien sûr. Mais tu viens juste de finir la nourriture qui Mon était dans amour, ces bols. Je suis un homme. Je suis un homme très âgé. Je mérite de manger. Tu veux encore manger? Bien sûr que oui, non? Ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on arrive à la maison, je te trouverai quelque chose à manger. D'accord? Et qu'en est-il de bois? Mais c'est prêt, non? C'est déjà prêt. Allons, dans ce cas, partons, non? Allons-y. On y va. Ok. N'oublie pas de remettre ce bidon à maman Ngozi. Bien sûr. Même ces bols. Je le ferai. Oyemo, 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 Oyemo. Ah ah, mon vieux. Ah ah. Que nouveau ta visite? Bon après-midi. Ah, merci. Attends, je ne savais pas que vous ne seriez pas à la maison à cette heure. Tu as même ton arme avec toi. Cela veut dire que tu as aussi fait la chasse. Est-ce que je peux manquer de chasser, moi? Hein? Manquer la chasse, moi, tu me connais très bien pourtant. Hey, chérie, laisse-moi aller garder le bois, ok? Ok. Attends-moi là, mon frère, je reviens. J'arrive. Comment évolue la vie? Oh, très bien, tout va bien. Tu as l'air si... J'espère qu'il...
t'a pas laissé tous les travaux du champ pour qu'il aille faire la chasse, hein? Non, nous sommes une équipe. Nous travaillons ensemble. Ah, ouais, c'est ça. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Uh-huh. Ça veut dire que vous deux étiez partis à la chasse. Donc j'avais raison. Non, nous avons tout fait ensemble, non? Nous avons même chassé mm-hmm. ensemble. Nous avons cultivé ensemble, hein bébé? Vous n'allez pas arrêter de me faire une colère. Hi! Ma chérie. Je sais. Fais-moi... prépare-moi quelque chose pour moi. Je sais, je sais que tu as faim. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quoi. Hey. Non, mon Dieu. Tu vois, c'est ce que tu gagnes quand tu prends une femme pour t'accompagner à la chasse. Malgré tout, tu sais bien que son rôle principal, c'est la cuisine. Mm-hmm. Et cette fois-ci, tu l'as amenée à la chasse. En fait, remerciez votre Dieu, car vous n'avez pas rencontré un animal sauvage tel que les léopards ou les tigres. Elle serait déjà morte avant même que l'animal n'attaque. Hey, mais tu sais, la rivière ne coule pas plus que maintenant, que comme elle le faisait d'habitude. J'étais absolument préparé pour n'importe quoi. Bien. N'importe quoi. Bien. Quel que ce soit. Bien. Bien. Bon, je te comprends, en fait. Tu es juste un chasseur très expérimenté. Ah. Ouais, tout le monde peut le dire. Arrête, tu me flattes, là. Tu vois l'instinct des animaux, là. Leur fait savoir que tu es un grand prédateur. À moins que tu décides de, tu sais, oublier ton amour. Je sais que tu devais laisser cet animal échapper. Car tu étais captivé par le son de sa belle voix. Tu penses qu'on ne sait pas, hein? Comment le sais-tu? Ah. Yéduka, tu es un voyant. Peut-être. Hey! Peut-être. Écoute, la vérité est que je sais que tu aimes beaucoup Jeannette. Ah! Tu n'as même pas encore dévoilé ton vrai amour pour cette fille. Tu n'as pas encore dévoilé tout l'amour que tu as pour elle. Tu dissimules quelques sentiments. Mais ouais. La vérité est que elle aussi, elle t'aime beaucoup. Je l'aime à la folie. Et elle mérite même mon amour. Je vais l'aimer dans cette vie. Et même dans la vie. Après la mort. Oh, sérieux? La nourriture doit être prête maintenant. Allez, allons manger. D'ailleurs, j'ai faim. Tu devais voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Sais-tu que... Ah, mon amour. Chérie. Oh, bim. Ah, elle était à la cuisine. Chérie. La nourriture n'est pas encore prête. Ce n'est pas encore prête. C'est le bois de chauffage le problème. Je n'arrive pas à la tisser aussi rapidement. Oh, Yéduka. Laisse-moi voir ce qui ne va pas dans la cuisine. Oh, écoute pas trop. Je vais aller voir ça, ok? Mon amour. Laisse-moi aller m'asseoir avec Yéduka, non? Hein? Tu veux me laisser ici seule? Juste un peu de patience, hein? La nourriture est presque prête. La nourriture n'est pas presque prête. Chérie, reste avec tu moi, n'as même non? Tu n'as pas encore fini de couper les bananes plantain. Tu aurais dû me dire que tu voulais de la compagnie, plutôt que de me traîner ici. Désolée alors, t'es fâchée? Ou soit tu préfères rester avec ton ami que de rester avec moi? Bien sûr, tu sais très bien que ta présence est irrésistible. Et ton visage, je ne puis me fatiguer de le regarder tous les jours de ma vie. Moi également. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, je sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime. Oui, je sais. Tu sais que je t'aime. C'est moi tu sais que je t'aime. Tu... Je t'aime. Bien, en quoi veux-tu que non, je t'aide alors? Juste mets-toi. Tu vas regarder comment je fais. Je suis en laisse train de mélanger les bananes. Le, dérange pas. Toi, juste reste là. Raconte-moi les histoires. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas arrêté de penser à... C'était quoi déjà?
Hey, Nkiru, comment va Matina? Ça fait tellement longtemps que je l'ai vue. Elle est toujours dans ce village? Bien sûr. Tu connais son amie qui était venue cela 2 jours. Donc, ces jours-ci, elles passent plus de temps ensemble. Vraiment? Et je suis contente pour elle. Moi aussi, je suis contente pour elle. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Je voulais te parler d'autre chose. Mon problème, c'est mon mari, Chukuma. Je ne sais pas pourquoi il refuse de rentrer. Il me manque beaucoup. Et le pire dans tout ça est que je n'ai même pas de ses nouvelles. Il n'appelle pas. Ça m'inquiète. Kilo, ok. Très bientôt, ton mari va revenir. Je sais. Je sais qu'il va revenir. Je sais qu'il finira par revenir. Mais la question est de savoir quand. Quand est-ce qu'il va revenir? J'ai dit bientôt. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Allez, ma chérie, ça va aller. Tu n'as qu'à t'apaiser. Hein? Ça ira. Prenons d'abord le cas de Mathilde. Son mari avait voyagé et il reviendra la semaine prochaine. Je suis sûre que son mari va apporter beaucoup de choses pour elle. Tu le sais toi aussi. Ah, en quoi cela devient un problème pour toi? Tu aurais dû être contente pour elle. C'est pas que je ne suis pas contente pour elle, c'est juste que... Je te comprends, Inke. Ton mari sera bientôt de retour. Crois-moi. D'accord? Relaxe-toi, juste. Je l'espère vraiment. Et bien sûr que oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est juste comme tu me vois. C'est bien pour toi. Toi, moi, tu es à moitié chanceuse. Non, ce n'est pas à moitié comme tu le dis. Je suis extrêmement chanceuse. C'est pas totalement parce que ton mari n'a pas d'argent. Kilo, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'allais... La première fois que tu m'avais emmené à cet endroit. C'était très génial. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi beau que celui-là. T'es sérieux? Tu vois, je t'avais dit que tu allais l'adorer. Tu ne m'avais pas cru, tu vois, maintenant. Ejika, dis-moi, quand est-ce que tu vas me donner mon argent? Tu sais que ça fait déjà 2 semaines que je t'ai les demandes. Voyons alors. Ça? C'est juste pour ça que tu as changé d'humeur? Oui. Hein? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui? N'oublie pas que j'avais dit que je viendrais à la maison aujourd'hui. C'était juste pour ça. Je croyais que tu avais l'argent maintenant. Soit tu planifies de passer plus tard chez moi à la maison. L'argent... En fait, tu vois, je n'ai pas d'argent sur moi ici. Mais je viens chez vous. Non, je pense que tu dois me suivre à la maison pour prendre... Te suivre à la maison? Parce que je ne suis pas sorti avec l'argent. Pas de problème. Pas de problème, alors, allons-y. Est-ce que nous partons à la maison? Allons-y, toi aussi. Arrête, on y va. Ouais, il y a quelque chose que je suis en train de voir. Mon amour, t'es pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris que le fiancé de Matina est de retour. Oh! Oui! Et depuis, Kiro est devenu bizarre. Bizarre? Comment? Je crois qu'elle est fâchée contre Matina. Ah, l'effable. Bien, je ne veux pas du tout que tu les regardes. Ok? Je veux juste que tu te concentres sur moi et moi seulement. Tu veux dire que je ne me concentre pas sur toi? Je sais que tu n'as pas cessé de le faire, mais... Souviens-toi qu'on dit que le chien le chien plus patient déguste l'os le plus moelleux. Je sais. Bébé, quel est ton programme de demain? En fait, j'irai chasser demain. Oui, j'irai demain chasser certains gibiers pour nous deux. Que les dieux te soient favorables. Amen. Ainsi soit-il. C'est allez, toi arrête. La meilleure. Arrête. Tu es chatouille, arrête. C'est toi la meilleure, non? Il sait.
Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'attends pour que nous puissions aller ensemble. Ton plan est de me laisser seule dans cette maison. Chérie, tu aurais dû me dire cela la nuit dernière, non? Ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux, bien sûr. Oui, c'est ce que je veux. Et alors? Tu promets d'être sage, on y va. Je vais te chatouiller moi aussi. Je vais te chatouiller. Je vais t'avoir. Attends. Aïe, j'ai une surprise pour toi. Surprise? Oui, oui. T'es sûr? Oui, ferme les yeux. Ferme tes yeux. Une surprise? C'est une surprise. D'accord. Mes yeux sont fermés. J'en ai hâte. Je peux ouvrir les yeux? N'ose surtout pas. Vas-y, ouvre. Les bonbons et les chewing-gums. Bonbons et chewing-gums. D'accord. Alors, lequel est-ce que tu préfères? Je préfère les chewing-gums. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'aimerais te mâcher pour le restant de ma vie. Attends, me faire ça à moi? Oh, désolé dans ce cas. Attends, les bonbons alors. Je veux le bonbon. Comme ça, je te sucerai dans toute ma vie. Attends, je vais te mâcher. Oh non, je vais te sucer. Et puis après, quand je vais finir, je vais te... Attends, ne devrais-je pas te sucer moi aussi? Oh, c'est ce que tu crois vraiment? Bien sûr. T'es pas sérieux. Arrête. Écoute ce que tu dis. Franchement. Allez, reviens ici, reviens. Je vais te ligoter. Attends. Ok. Si mange la moitié, moi si je mange la moitié, d'accord? Mets-moi dans la bouche. Reviens. Allez, attends-moi. Reviens. Reviens ici. On va le manger ou non? J'ai les bonbons. Attends. Oui, attends. Moitié, moitié, hein? Ok. Allez, tiens. Il n'y a personne. J'ai gardé encore un bonbon, hein? On va les manger dès qu'on sera à la maison. Attends. C'est moi qui devrais les partager. Non, c'est moi qui le ferai. Laisse-moi faire. Toi, tu as déjà pris le gros morceau, non? Es-tu sûr? Ah, je comprends tes intentions. Tu me prends Wayo. Le gros morceau. Wayo. Hein? Non, regarde-toi non. Vraiment. Wayo. 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 Thank you.
Mon amour. Mon cœur. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Est-ce que je peux avoir genre... Oui, son naira pour que je fasse une soupe avec le poisson que nous avons à la maison. Ça a l'air beaucoup. Dans ce cas, je dois aller voir maman à Gossé. Ok. Laisse-moi voir si elle peut me donner l'argent sur l'argent qu'elle me doit. D'accord. Mais je dois le petit déjeuner. Bien sûr. Tu sais que nous revenons juste de la ferme. Je sais. Allez, viens. Comme c'est une pizza.
Mon amour, je suis rentré. Après que j'aie récupéré l'argent chez Maman Gosier, j'avais alors décidé d'aller au marché pour acheter certains trucs qui sont souvent très importants dans la maison. Quelques ingrédients pour la nourriture. Mon amour, que se passe-t-il? Pourquoi gardes-tu ton visage déprimé ainsi? Pourquoi cet air bizarre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe, non? Hein? Et pourquoi ces larmes? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a offensé? Tu étais très heureuse juste avant que je n'aille au marché. Chérie, parle-moi, je t'en prie. Je vais bien. Ça va. Toi et moi savons que tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Dis-moi, je t'en prie, chérie. Dis-moi ce qui se passe. Ne me fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe, non? Dis quelque chose, voyons. Je dis que je vais bien. J'ai dit que je vais bien. Pourquoi tu veux m'emmerder? Je ne peux pas rester seule. Laisse-moi tranquille. Je vais bien. Ne comprends-tu pas ce que je te dis? Hein? Laisse-moi. Je vais rester seule. Fous-moi la paix. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Dis-moi. Hein? Tu me poses la question, je te réponds. Tu continues à me déranger. Tu n'as qu'à intérioriser ce que je te dis. Je vais bien. Laisse-moi. Ce n'est pas ma femme. Non. Ce n'est pas Jeannette. Quelque chose ne tourne pas rond. Et je dois le découvrir coûte que coûte. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui s'est vraiment passé, en tout cas, je ne sais le dire. Je suis vraiment confus. Je ne sais pas si quelqu'un l'a visitée pour arriver à la rendre ainsi. Mais là tout de suite, je suis complètement fou, je suis vraiment perdu. Je n'avais encore jamais vu ma femme dans un tel état avant. Mais que se passe-t-il? Onyem, s'il faudrait que je te conseille, je te demanderai de t'apaiser. Respire profondément. Écoute mon ami, arrête de te stresser. Tu en fais plus qu'il ne le faut. Calme-toi pour que tu analyses ce problème de manière profonde et que tu saches ce qui ne va pas. C'est ce que je n'ai pas cessé de faire depuis tout ce temps. Je n'ai pas cessé d'y réfléchir à plusieurs reprises. Mais je n'aboutis toujours à rien. Ma femme n'avait jamais été dans un état pareil avant. Ça ne cesse de me déranger, ça me dérange vraiment. Écoute mon cher, pour savoir réellement ce que tu es en train de chercher, le seul antidote reste toujours aller avec les choses doucement. Hein? C'est ça le plus sage. Cela te permettrait d'entrer dans la profondeur de ce problème. Obonifania, Ifane Menike, aie tes apaisements. Tu sais ce qu'on dit? Le temps et l'espace résolvent plusieurs problèmes. Les femmes sont souvent émotionnelles. On ne peut pas dire ce qu'il s'est passé. Et la moindre des choses que tu puisses faire pour elle et pour toi maintenant, c'est de lui donner le temps et l'espace. Et tu verras que ce sera résolu. Donner de l'espace à qui? Nous parlons de ma femme là, mon vieux. Comment penses-tu que je puisse donner à ma femme de l'espace? Tu parles du temps là, oui, mais je ne puis rester une minute sans pourtant voir ma femme. Et là, tu parles de l'espace. Je comprends ce que tu ressens. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. C'est la moindre des choses que tu... Elle est ma femme. Nous ne parlons pas seulement d'une simple femme, ou plutôt d'une amie. Là, nous parlons d'une femme, ma femme. Celle dont j'ai payé la dot en entier. Je l'aime, mec, ne comprends-tu pas ça? Mais mon cher, je ne veux pas que tu gâches tout. Écoute mon cher, la manière dont tu t'y prends, tu risques de tout foutre en l'air. Tout ceci me dépasse, mon vieux. Tout ceci me dépasse, mec, comprends-le, tout ceci me dépasse. J'aime ma femme et je veux voir ce sourire sur ses lèvres tous les jours. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Calme-toi. C'est ma femme, vieux. Calme-toi. Hein? Chicken et quoi, yo?
Je sais bien que tu l'aimes beaucoup. C'est ta femme. Mec, je t'assure, nous allons résoudre ce problème. Ok, laisse-moi te capturer. Mais change de position, non? Attends. Wow. C'est un très bon téléphone. Donne. Vraiment. Vas-y, oui. On y va. Vas-y. Allez, change de position. Oh, Seigneur, okay. La qualité de la photo de ce téléphone est impeccable. Ce téléphone est merveilleux. Je dirai à mon chéri lorsqu'il viendra au mois de décembre de m'emmener aussi ce genre de téléphone. D'ailleurs, encore mieux, qu'il l'achète là-bas et qu'il me l'envoie ici. Oui. De quoi parles-tu? Décembre? Pourquoi tu parles de décembre très loin comme ça, hein? Appelle-le et dis-lui d'envoyer ce mois ici. Ma chérie, c'est vraiment pour ça que je t'adore comme amie. Tu as toujours eu de belles idées, je t'ai dit. Hein? Ma chérie, ton téléphone est vraiment bon. J'adore ça. J'aime ça. Bonjour, Onyema. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est à moi que tu demandes, qu'est-ce que j'en sais? Mais la vérité est que je ne l'ai jamais vu dans cet état. Laissons-le. Donne-moi, je veux voir les photos. Laissons-le, je veux voir les photos. Hey! C'est vraiment une très belle carte. Oh, c'est Allez, arrête! Moi, je m'en vais. Celle-ci n'est pas jolie. Attends, attends. Allez, arrête ça. Fais-moi une autre photo. Attends, comme ça. Écoute-moi. C'est pas juste ce que tu fais. C'est pas question de téléphone. C'est la personne elle-même. Hein? Tu agis comme ça parce que son téléphone? C'est pas grave, je le dirai à mon mari. Il va m'acheter un téléphone. Chérie, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement brusque d'humeur ainsi que d'attitude? Pourquoi est-ce pas qu'on est en train de manger? Est-ce qu'on peut manger tranquillement? Comment t'attends-tu à ce que je mange? Comment penses-tu que je vais arriver à digérer cela? Alors que je ne vois plus un seul sourire sur ton visage. Tu ne me montres plus aucun bonheur. Tu ne me rends plus heureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu me dire ce qui ne va pas avec toi? Mangeons d'abord. Finis ta nourriture, s'il te plaît. Quand nous allons finir de manger, je vais te le dire. Ok. Tu te rappelles de ce qui s'est passé l'année dernière? De quoi parles-tu? Vous savez, vous êtes trop merveilleuse. Vous êtes belle. Oui, je vous aime. Avant que je n'oublie, hein, nous avons tous contribué avec nos 30 000 naira pour notre projet. Mais il y a une personne, une seule personne qui nous doit. Jeannette,
Présidente. Tiens-toi debout. Pourquoi n'as-tu pas encore donné l'argent? Présidente, tu veux nous dire que Janet n'a pas encore fini avec ses comptes jusqu'au maintenant, hein? Oui. Et pourquoi? Elle n'a pas encore payé, hein? Et je vous rappelle que c'est la troisième fois qu'elle ne puisse pas contribuer. Et nous l'avons toujours couvert. Allons-nous encore le faire? Non! Non! Elle doit donner elle-même la parole. C'est pas possible. Non, non, non. Elle peut partir et nous quitter. Je ne sais plus que faire, oh. Janet, pour qui tu te prends, toi? Si c'est comme ça, elle doit quitter notre groupe parce qu'elle ne sait pas contribuer. Alors, elle doit nous quitter. Oui, c'est ça. Elle part. Oui, oui, non, non, elle doit partir. Du fait que tu ne peux pas payer tes dettes, il serait mieux que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles d'ici. Tu n'as plus le droit de venir dans nos réunions. Mes chers partenaires femmes, mes chers partenaires femmes. Madame la présidente, mes partenaires femmes. S'il vous plaît, je sais que je n'ai pas été en mesure de faire tous ces paiements tout au long de ces années. Mais s'il vous plaît, je vous prie, donnez-moi un peu de temps. Je vais solder bientôt tous mes litiges. Je vous assure, s'il vous plaît. Tu n'as qu'à la fermer, trop c'est trop. Allez, tu n'as qu'à quitter, dégage. Tu ne peux rien. Tu es incapable de s'aligner à ce qu'on nous demande de faire. Plus question, je ne veux plus de toi, tu n'as qu'à partir. Pars, pardon, dégage. Insolvable, pars. Pardon, tu n'as rien. Oublie-nous, hein. Pardon, on n'en fait rien. Je suis le pauvre, reste chez toi avec ton mari. Va gérer ta misérable vie. D'accord, j'ai compris. Elle n'est plus la nôtre maintenant. Elle est contente. Oui, oh! Qu'allons-nous donc faire avec notre part? C'est bien fait pour elle. Nous allons construire une maison dans laquelle on va commencer à tenir nos réunions. Et aussi nous amuser. Chère présidente, je veux les compléter. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Hey, mes chers amis, vous êtes spéciales, je vous jure. Non, 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 non. Thank you.
Je ne te trouve pas bien aujourd'hui. Oui. Bien, si tu me demandes, je dirais que tu méritais plus que ce qu'on t'a donné. Oui, bien sûr. Tu avais l'opportunité de vivre une bonne vie si seulement tu avais choisi Uchenna. Mais tu as décidé de choisir un beau et pauvre garçon. C'est aussi ce que je me dis. Regarde-moi, est-ce que la beauté pêche une voiture? Hein? Écoute, laisse-moi te dire une chose, mon ami. Ouawo, Kiru, si un homme me court après et qu'il a l'air d'un chien, d'un chat, un lapin, ou soit un singe, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est ses poches. Ses poches doivent être remplies de la même façon que la beauté des autres. C'est ça. Hein? De nos jours, qui se marie encore en fonction de la beauté? L'amour, l'amour. Jeannette. L'amour marche avec de l'argent. Jeannette. L'amour, mon œil. Et s'il te plaît, regarde-moi très, très bien. Prends ton temps de me... En tout cas, regarde. Regarde-nous. En tout cas, très bien. Et ton... Marie. Soi-disant, Marie. En tout cas, vous même pas vous approcher de nous. Regarde un peu. Ma soeur, nous devons aller doucement avec elle, ok? Tu sais que c'est encore notre amie. Elle est notre amie. Mon amie. Ne sois pas si dure avec elle, ok? Allez, détends-toi, ma chère amie. Ne te sens pas découragée. Attends que je te donne un peu d'argent. Comme ça, tu peux acheter un kilo de riz, ok? Tu n'as pas encore mangé? Oh, mais je ne les trouve pas. Vérifie un peu chez toi. J'avais mis quelque chose dans les sacs, mais je ne les trouve pas. Sois c'est calme. Bon, ça va aller, ok? Ça va aller. Avec les temps, tout ira bien. Nous t'aimons beaucoup, notre chère amie. C'est pour cette raison qu'on s'est fait du souci pour toi. Je te jure, je le sais aussi. Ne pleure pas. Hein? Oui. Tu n'as pas encore mangé. T'inquiète. Ça va aller, chérie, t'inquiète. Demain tout ira bien. L'amour, l'amour, avec l'amour, tout est beau. Hein? Quelle bouffe, l'amour. Vraiment. Et puis elle parle de l'amour. L'amour. L'amour ne se mange pas. Qu'est-ce que tu croyais? Ça va aller. Donc, tu veux dire qu'elles t'ont vraiment dit tout ça? Nkeru et Martina, elles ont rejoint une force avec toutes les autres femmes de ce royaume. Tout ça pour t'humilier. Je vais aller dans leur maison. Je vais les mettre en garde l'une après l'autre. Si jamais je les revois ici, à nouveau... Si je revois l'une d'entre elles dans cette maison à nouveau. Mon amour. Mon amour. Oublie-le. Ok? Écoute. C'est ma croix. Laisse-moi la porter. Laisse-moi la porter, s'il te plaît. Non. Non, tu ne comprends pas cela. Les gens que tu appelles tes amis devraient savoir comment t'aider dans des moments de trouble. C'est à ça même que consiste l'amitié. Je suis juste déçu d'apprendre que Martina et Nkiru. Allez, laisse tomber. Laisse. Écoute-moi. L'amour vrai est très beau. Et c'est en même temps un fardeau. Si l'amour que j'ai pour toi devient un fardeau, alors laisse-moi le porter. Laisse-moi m'en charger. Oublie-le. Elles auront toujours quelque chose à dire. Mon amour. Obim. Aujourd'hui, je vais te jurer ceci. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'année prochaine, tu vas presque ressembler à une grande star. On te verra. Et on va t'admirer. Je te le dis franchement, même si je n'ai rien, je vais emprunter et je vais me rassurer. Je te fais confiance. Je te comprends, bébé, ok. Je sais que si tu en as plus, je ne manquerai de rien. T'inquiète, je me contente de ce que j'ai. Je ne m'en plains pas. Je suis tout à toi, chérie. Mon amour, tu n'imagines pas à quel point tu es belle. Tu es une déesse. Merci, chérie.
Donc, Jeannette, tu veux nous dire que tout ce que ton mari t'avait promis de faire depuis l'année passée, il n'a même pas réalisé une de choses? Mais ce n'est pas normal, ça, Jeannette. Martina, je sais que ton mari est riche et il prend bien soin de toi. Mais je me tape la poitrine et te dire pour la énième fois, nous pouvons être pauvres. Mais je t'assure que toi et ton mari ne pourrez jamais avoir ce que nous avons, le vrai bonheur. C'est là que tu te trompes. Laisse-moi te poser une question. Donc c'est cette chose minable que tu appelles vivre. Laisse-moi te dire, ma belle, que ce n'est pas une vie. Parce que tu dois faire le tour du monde en mendiant avant de trouver quoi manger. Allez, arrête de penser et ouvre les yeux. Réveille-toi, ma belle, parce que je dois avoir assez de nourriture. Mais malheureusement, tu n'en as pas. Et tu dis que tu es heureuse. Et qu'est-ce que vous, prostituées, faites dans ma maison? Qui est-ce qui vous a donné le droit d'entrer dans ma parcelle? Je vous écoute. Bien, dehors. Attends une minute. Es-tu en train de nous dire... Non, es-tu en train de dire à moi, Martina, de quitter ces sales trucs que tu appelles maison? Appelle ça comme tu voudras. Même si ce n'est qu'une toilette, ça reste ma maison. Et j'ai tous les droits de vous déguerpir. Si vous ne quittez pas ma maison, je vais vous jeter dehors moi-même. Et quand vos maris vont m'appeler, je leur dirai ce que vous avez l'habitude de faire dans ce village. Oh, vous pensez qu'on ne sait rien, c'est ça? Nous savons absolument tout, nous avons nos yeux sur vous. Vos petits jeux là dans ce village, tout le monde ici le connaît. Maintenant, sortez de ma maison. Ils vous demandent de sortir, alors sortez. Ok. Jeannette, tu es là et tu permets à ton mari de nous insulter devant toi. Jeannette, donc tu es d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez partir? Allez, prostituée. Chérie, c'est bon. Que le tonnerre vous brûle toutes les deux. N'importe quoi. Mon amour, c'est bon, hein? T'occupe pas d'elle. Imagine ça, chérie. Elles étaient même en train de crier. Non, mais c'est quoi tout ça, non? Que veut dire ceci? Mon amour, c'est bon, ça va. Tu as déjà fait ton point, c'est tout. Ok? Ça va aller. Ça va. Sérieusement, c'est temps de nous insulter, mon ami. Ma chérie, tu sais quoi? En tout cas, je vais me rassurer qu'on y m'en reçoive ce qu'il mérite. À cause de ce qu'il m'a montré aujourd'hui, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il verra. Est-ce que dois-je lui donner la faute? Oh, non. Parce que si cet idiot était réellement un homme, il allait être en ce moment dehors comme ses amis. Il n'allait pas rester collé à sa femme tout le long de la journée comme un chien en chaleur. Tu sais, hein? Je vais m'occuper de lui. Oublie ces garçons éhontés qui n'ont même pas de sens. Ma chère, allons-y. Je suis derrière toi. Parce que moi, je te parle, je suis très en colère. Je suis énervée. Mais c'est quoi cette bêtise? Est-il normal? Peux-tu imaginer? Il parle à moi, Martina, de bêtises. Imagine-moi, Enke, Kirou. Hein? Ces pauvres idiots, il est kilo de m'insulter comme d'ailleurs, ça. D'ailleurs, je ne les blâme même pas. Je blâme Jeannette. C'est Jeannette. Quelle sorte d'insulte? Attends. En tout cas. Jeannette. Non. Matilda. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Allez, arrête ça. Tu n'es pas la seule à être énervée. Écoute-moi, s'il te plaît. Hein? Je veux dire... C'est vraiment un fou. Imagine un peu. Mon amour, tu n'aurais pas dû le chasser comme tu l'as fait. Donc, j'aurais dû les permettre de continuer à te baratiner? Baratiner? Leur baratinage n'ont jamais aucun effet sur moi du tout. Écoute, bébé, je t'aime beaucoup. Et je continuerai à t'aimer, même dans mon monde à venir. Tu sais que je t'aime aussi, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime du plus profond de mon cœur. Je le sais bien. Je t'aime tant, chérie.
Et je veux te faire cette promesse aujourd'hui et maintenant. Ok. Écoute-moi très bien. L'année prochaine, chérie, sache que tu vas participer à cette réunion du début à la fin. Et tu vas aller représenter tout le monde. Wow. Étant attirante, étant plus belle, et ils vont tous t'envier, je te l'assure. Oui, oui, je te fais confiance. Je sais que tu le feras. Ouais, je le ferai. Et je crois que Dieu va pourvoir. Bien sûr, Dieu te bénira. Ça ira certainement. Je t'aime, chérie. Je t'aime, bébé. Je t'aime. Je sais. Aujourd'hui, j'ai rencontré Martina quand j'allais à la rivière pour puiser de l'eau. Et Martina, Jeannette, ça fait très longtemps. Hey, Martina. Tu as dit que ça fait longtemps. Vraiment, ça fait longtemps. Oh, non, non, tu ne peux pas me dire ça. Ça fait longtemps, ma chérie, et tu as tellement profité de la vie. J'ai appris que ton mari était rentré et tu restais chez toi en train de consommer tout ce qu'il a apporté. Qu'est-ce que tu attendais, ma chère? Tu sais bien qu'il m'avait beaucoup manqué. Je sais. Tu devais donc remplir tous les vides qu'il a créés. Oui, oh. Puisque tu ne sais pas la prochaine fois qu'il va encore partir. Ce qui est vrai, il va retourner bientôt. Il était juste venu me donner quelques accessoires que je vais utiliser dans notre réunion, comme le téléphone. Waouh, je suis très contente pour toi. Je me suis rappelé, comment va ton mari? T'avais-tu donné l'argent qu'il t'avait promis depuis l'année passée dans notre réunion? Pas encore. Il va me donner. Mon mari me le donnera. Jeannette. Au fait, j'étais en train de partir à la rivière pour puiser de l'eau. Je suis contente pour toi. Mes salutations à ton tu mari. Tu peux passer prendre quelque chose à la maison si tu veux. Hein? Pas de problème. Merci beaucoup. Bye. Bye. L'événement d'Ogossi, c'est dans 2 mois. Et la contribution s'élève à 30 000 naira. C'est une contribution générale. Je ne m'imagine même pas aller dans cette activité. Puisque je devais acheter l'uniforme et toutes les autres choses. Tu vois maintenant. Tu comprends maintenant pourquoi je ne suis pas contente? Tu comprends maintenant pourquoi je suis toujours lunatique. Oui, je connais notre situation. Je connais bien nos défis. Pourquoi ça devient un problème pour moi toutes les années? Pourquoi je suis juste
je suis juste fatiguée de tout ça. J'en ai marre, s'il te plaît. Je suis fatiguée de tout ce qui se passe. Je ne sais même plus quoi dire, honnêtement. Ah, où est-ce que tu vas? Au fait, je reviens actuellement du marché. Écoute, tu vois, je devais normalement passer chez toi. Ok. Alors, je me suis dit d'aller voir d'abord Mazi et Béki. Ils m'avaient promis un travail. Alors, j'avais dit que je pars d'abord les voir pour qu'on en parle. Et par la suite, je viendrai te... Ok, moi j'étais allé au marché pour vendre quelques noix de palme qu'on avait eu à cueillir, voilà. J'allais aussi poser la question. Tu sais très bien qu'il faut parfois se taire dans la vie. Ok, Zubadike. Dans la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois, laisse-moi me dépêcher pour aller les voir. Ok. Avant que je les perde. Et à mon retour, je viendrai te voir. Alors, mec, comment va-t-elle? Je veux dire, ta femme, comment va-t-elle? Yejika, ma femme est devenue une totale étrangère pour moi. Son changement brusque dans l'attitude me dépasse complètement. Ah. Je sens que là, je deviens fou petit à petit. Ah, ma Yagaboya.
Keya Gaboya. Laisse-moi savoir. C'est quoi le problème en réalité? A-t-elle dit quelque chose? Oui, elle l'a fait. Ça concerne la promesse que je lui ai faite l'année passée à propos de Umada, une structure féminine. Et au fait, je lui avais promis que je lui donnerais un peu d'argent pour participer à cette réunion cette année, tu vois? Ok, je vois, oui. Toi et moi savons que j'en ai pas. Il n'y a pas d'argent maintenant. Hein? Tu sais très bien que si j'avais de l'argent, je lui donnerais parce qu'elle le mérite. Ok, alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais, considérant le fait que la réunion de COS là aura lieu d'ici là. Enfin, dès qu'il y a un écho, c'est ça le vrai problème. Oui. Tu ne vois pas? C'est pour ça que je suis confus. C'est pour ça que je suis confus. Je ne sais quoi faire. Que pouvons-nous faire maintenant là? Espérons que Dieu va pourvoir. Excuse-moi, comment vas-tu? Honorée. S'il te plaît, j'ai une question à te poser. Je suis vraiment très curieuse. As-tu donné à ta femme l'argent de notre contribution? Ah oui, tu as raison, ma belle. Parce que je me rappelle bien de comment il s'est inventé l'année passée. Il disait que cette année, il va gâter sa femme. Sa femme ne manquera de rien. Et surtout à nos cotisations. J'imagine comment notre chef sera mécontente avec elle. Mon ami, ma belle, tu es en train de parler des histoires qu'il va acheter? Ma belle, ce que tu viens de citer, c'est la dernière chose à laquelle je m'attends. Parce que jusqu'à présent, elle n'a pas encore payé les 30 000 nera qu'elle doit à la communauté. Non. Ne va même pas là-bas. Moi, je sais qu'il va lui donner. C'est un garçon riche. Il a assez bossé pour donner à sa femme tout ce qu'il faut pour notre réunion. T'inquiète, il va le faire. Je connais ce genre de personnes. Ce genre de personnes ne payent pas des dettes, ma belle. Tu vas te rendre compte que les soirs, ils reviennent à la maison, mais brenouilles. Rien dans la poche, ils ne savent quoi faire de leur vie. Ils te diront les soirs que chérie, je n'ai rien trouvé. Où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu vas? Reviens, messieurs. Je n'ai pas fini de parler. Où est-ce que tu vas? Reviens. Homme riche. Tu les verras debout partout le long de la journée. Il n'a rien, il ne sait rien faire de sa vie. Il vaut rien. J'ai pitié de Jeannette. C'est un pauvre type. J'ai pitié d'Elo. Quand as-tu commencé à manger toute seule dans cette maison? Mon amour. Est-ce à cause de ce que tu m'as dit la nuit dernière? S'il te plaît, pardon. Est-ce que tu peux me laisser profiter de cette fraîcheur et manger cette nourriture? Si tu as faim, juste dis-le-moi, je vais te servir. Cela ne concerne pas du tout le fait d'avoir faim. Ça te concerne toi. Ça concerne la femme que j'ai épousée. Chérie, absolument tout chez toi a changé. Écoute, je veux te faire cette promesse aujourd'hui même. Donne-moi encore une semaine et je te donnerai l'argent. Juste donne-moi un peu de temps pour pouvoir te trouver ton argent. Je ne veux que ton bonheur, je ne veux vraiment que ton bonheur. Donne-moi une semaine de plus et je te le promets, je te donnerai ton argent. Je t'en prie. Ok, je t'ai entendu. Mais s'il te plaît, tu dois tenir à tes promesses. Regardez mes amis,
elles reçoivent toutes sortes d'offres venant de leur mari. Hein? J'en ai marre d'être toujours dans la honte. Ça va aller. Je te promets de te le donner cette fois-ci. Oui. Je veux que mon amoureuse et mignonne de femme revienne. As-tu déjà oublié nos plus bons moments? Tu sais que je t'aime. C'est bon, je t'ai entendu. C'est bon. Bien, mon cœur. Puis-je manger avec toi? Bien sûr. Bon bien, appétit. Je t'attends, je t'attends. Janet, j'espère que ton mari n'est pas à la maison. Je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il est à la maison. S'il te plaît, oublie un peu celui-là. Attends un instant. Je suis surprise. Est-ce qu'il s'agit bien de ton mari? Je veux dire ton super amour, ton tout-puissant Onyema, que tu viens d'appeler celui-là. Je ne te comprends pas, c'est depuis quand que cela a commencé? Nkiru, je crois que j'ai commis une grosse erreur de l'épouser, honnêtement. J'aurais dû épouser Uchenna. Comment je peux faire beaucoup d'années sans prendre part à aucune activité de gossip? Hein? Ça n'a pas de sens. Tu vois? Je suis la seule femme dans ce village qui ne prend pas part aux activités de gossip. Quelle honte! Hein? Je commence à tout regretter, honnêtement. Ma sœur, je ressens ta douleur. Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ces jours merveilleux auxquels Dieu t'a ouvert les yeux pour enfin comprendre la réalité. Et la chose la plus importante, c'est que maintenant tu commences à comprendre les choses. Tu commences à voir la réalité. Hein? Parce que ton très cher mari Onyema, c'est un menteur. C'est un mari raté. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que c'est pas un vrai homme. Parce que les vrais hommes n'ont qu'une parole. Ils réalisent toujours leurs promesses et ils prennent soin de leur femme. Hein? As-tu déjà payé l'argent? J'attendais cet argent depuis. Tu payes d'abord les premiers 500. Hein? Et après, tu vas payer 300. Hein? Alors, le reste? Hein? Ok, tu vas à la banque. Pas de problème. Je vais te rappeler. Chief!
Dieu merci, vous êtes là-haut. Je me dirigeais vers chez vous, au fait, boss. T'ai-je invité? Chief. Chief, c'est à propos de l'argent, non? Hein? Ça fait déjà 3 mois que j'ai fini de cultiver toute votre ferme. Vous avez pratiquement refusé de me payer. Pour l'instant là, je n'ai pas d'argent. Continuons à le faire comme d'habitude. Hein? J'attendais une petite somme là. Mais l'argent n'est pas venu. Que veux-tu que je fasse? Hein? Bon, ok. Faisons ceci. Attends la fin du mois prochain. Comme ça, je te donnerai l'argent. Fin du prochain quoi? Ai-je l'eau dans ma bouche? Sérieux? Ai-je l'eau dans ma bouche? Chief. Tu dis quoi? Chief, mais mettez-vous un peu à ma place. Tu as une place ici. Ça, c'est ta place. C'est donc ta place ici. Mettez-vous au moins alors dans ma situation. Je ne peux jamais être dans ta situation. Chief, comment vous sentirez-vous? Comment vous sentirez-vous si vous avez travaillé pour quelqu'un et cette personne refuse de vous payer? Je n'ai jamais dit que je ne te payerai pas. Le gouvernement me doit. Ma pension pour 8 mois. Attends que le gouvernement me paye. Comme ça, je te payerai. Je devrais attendre que le gouvernement vous paye pour que vous me payiez. Est-ce que le gouvernement était là quand nous avions négocié pour que je travaille pour vous? Bien, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres fermiers. Ils viendront et vous me chercherez. Vous m'appellerez. Si tu ne veux pas les faire, laisse. Il y a beaucoup de gens, les jeunes hommes comme toi, qui me supplient pour ça. Ils veulent travailler pour moi. Et toi qui as cette opportunité, tu veux la gâcher. Va chercher le travail. Tes amis sont là-bas à la cité en train de construire des grandes maisons. Te voilà en train de me suivre pour une petite somme comme ça. Que je ne te vois plus ici, hein? Hein, mais essaie un peu de réfléchir. Je crois que toi aussi tu es fautive. Parce que tu l'as toujours gâté. Non, ce n'est pas... Et c'est pour cette raison qu'il a oublié ses responsabilités à ton mari. J'étais juste en train de... lui apporter de l'aide. Voir si ça allait marcher. Pour qu'il prenne soin de nous en retour. Mais hélas, ça ne tient pas. Hein? Même si c'est le cas, tu allais attendre jusqu'à quand? Bien, je sais quoi faire. Désormais, je vais m'assurer qu'il prenne soin de ses responsabilités. Il doit aussi me donner tout ce que ces hommes donnent à leur femme. C'est ça. C'est quoi le problème? Hein? Ouh. Ça fait longtemps que j'ai coiffé mes cheveux. Regarde chère, comment je suis. Comment je ne saurais pas ça? Je ne saurais pas supporter ça. Je n'ai même pas de jolie babouche d'âme pour porter. C'est quel problème ça, hein? J'en ai marre. J'ai vraiment pitié de toi. Tu risques de mourir dans ce genre de mariage. Ok, d'accord, je suis en route. Ok. Bon, je te rappelle. Ndoukoué. Oui. J'étais en route pour chez toi. Tu étais en route pour chez moi? Oui. Hein? Mais c'est à propos de l'argent, non? Hein? Ndoukoué, cet argent a beaucoup traîné que nécessaire. Et tu le sais, j'ai besoin d'argent, j'en ai besoin. Onyema, s'il te plaît. Je te donnerai cet argent. Quelqu'un doit me donner de l'argent. Je te promets que je te le donnerai dans 2 semaines. 2 semaines, comment ça? Hein? 2 semaines, pourquoi non? Tu n'as pas arrêté de dire 2 semaines, même les 2 semaines sont fatiguées, non? Donne-moi cet argent, non? Hein? Donne-le-moi, j'en ai besoin maintenant même. Je croyais que tu allais me comprendre, j'ai besoin de cet argent, moi. Onyema, je t'ai dit que je te promets. Je te donnerai cet argent dans 2 semaines. Donne-moi mon argent, non? Hein? Nuku, donne-moi mon argent. Pourquoi tu me manipules? Pourquoi veux-tu me forcer? Ne peux-tu pas me donner mon argent? Hein? Tu l'aimes, mais tu ne veux pas me le donner. Je ne perds pas d'ici sur mon argent. Hein? C'est quoi ça? Honnêtement, je ne te comprends pas. Je t'ai dit que je te donnerai cet argent dans 2 semaines. Point barre. Sache que je peux faire pire. Donne-moi mon argent. C'est quoi ce bordel maintenant? C'est quoi tout ce boucan? Hein? Donne-moi mon argent, peut-être me faire n'importe quoi. Honnêtement. Je n'aimerais pas que les gens viennent ici et nous trouvent moi et toi comme ça. Et moi, je veux que tout le monde vienne ici. Que tout le monde vienne ici parce que tu ne bougeras pas d'un pouce si tu ne me donnes pas cet argent. Quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai pas. Donne-moi mon argent. Lâche-moi. Sérieux, on a assez blagué jusque-là. Je dis lâche-moi.
Donne-moi mon argent. Regarde, lâche-moi, non? Donne-moi mon argent, non? Donne-moi mon argent. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais, au fait? Hein? Pourquoi est-ce que vous me faites ça, vraiment? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Vous savez très bien que vous devez me payer. Hein? J'en ai marre, je suis vraiment marre de vous. Ma femme a besoin de cet argent. Ma femme a besoin d'argent et je dois prendre soin d'elle. Là, je perds mon foyer. Tu ne comprends pas ça? Donne-moi mon argent. Onyema, suis-je la cause de ton malheur? Onyema, va dans ton village et cherche la solution. Tu ne partiras pas d'ici, oh. Si tu ne me donnes pas cet argent, je le jure, tu n'iras pas d'ici. Donne-moi mon argent. J'ai travaillé pour ça et tu dois me payer. Où de quoi tu dois me... Qu'est-ce que je parle même? Onyema, je dis que je te paierai. Qu'est-ce que je parle même? Donc tu veux vraiment que je puisse moi utiliser la force? Pourquoi est-ce que je parle même? Onyema, Onyema, lâche-moi. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Je ne fais qu'agir. Onyema, lâche-moi. Onyema. Je... Oh, yeah. Ah, chérie, j'ai vraiment faim. Y a-t-il de la nourriture à la maison? C'est où l'argent? L'argent que tu as promis. Bébé, tu n'imagines même pas. Toutes ces personnes n'arrêtent pas de me raconter des histoires. Je ne sais pas. Ah, une autre histoire que tu m'apportes. Je n'ai pas cessé de marcher et eux tous. Une autre histoire, Onyema. Si tu n'as pas d'argent à me donner, il n'y a pas de nourriture non plus pour toi. Simple. Il n'y a pas de nourriture pour moi? Je crois qu'il y avait de la nourriture avant que je ne parte ce matin, non? Je t'avais laissé un peu d'argent pour nous préparer quelque chose, non? Je suis en train d'épargner cet argent. J'épargne cet argent que tu me donnes pour la festivité de Ogossi. Oui, je l'épargne pour l'activité de Ogossi cette année. Puisque je dois y prendre pour que tu le veilles ou pas. Je suis fatiguée de toi. C'est toutes les années que tu m'apportes des histoires, tu ne fais que raconter des histoires. C'est ma faute? C'est ta faute! C'est ta faute! C'est quoi? C'est tout ce que tu me dis. Ah ah! Jésus-Christ, tu veux dire que Jeannès t'a refusé la nourriture? Oh mon Dieu, c'est à toi qu'elle a fait ça? Waouh! C'est-à-dire quand on dit que le monde ne cessera jamais de nous étonner, cela est une vraie déclaration. Iedjika, quelquefois je ne la blâme pas du tout. C'est sûrement à cause de ce genre d'amis qu'elle fréquente. Ces filles sont vraiment en train de pousser ma femme. Non, tu les prends mal sur ce point-là. Oui, parce que je ne crois pas à cette déclaration qu'on dit « la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ». C'est la personne elle-même qui décide d'être corrompue. Et moi, je ne crois pas que ce sont ses amis qui la poussent à faire ce qu'elle est en train de faire. Non, je ne crois pas. Souviens-toi qu'elle avait abandonné d'autres hommes juste pour t'épouser. Alors, comment peut-elle se comporter de la sorte? Et c'est exactement ce qui me dépasse. C'est pourquoi je veux que tu me croies quand je te dis qu'elle commence à être influencée. Jeannette, ma femme, n'a jamais été ainsi. Elle n'a jamais été ainsi, tu le sais. Mec, est-ce que cela veut dire que Janet a commencé à voir un autre homme? N'y pense pas, c'est bon. Je peux voir que tu es tellement fatigué là. Hein? Et c'est de là que vient toute cette confusion. Tu dois manger quelque chose. Pour que tu aies les idées claires. Bien, je t'achète à manger. Ne t'inquiète pas, je vais acheter. Peut-être qu'elle a la tête ailleurs. Alors tu sais, les femmes sont très compliquées. Allons-y comme ça. Bouge ton cul, mec. Et donc, ce serait pour ça que tu as l'air si terrifié, hein? Toi là, arrête. Arrête de me déranger, frère. Hein? Que tu n'as pas mangé.
Jeannette. Ah, Martina. Hé, hey. Ah, Martina, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça va. Et de ton côté? Tout va bien, où vas-tu? Je vais à la maison. Jeannette, tu sais que tu es mon amie, mais tout ce que je peux voir de mes yeux, je ne peux pas te le cacher. Ok. Je viens de voir ton mari avec son ami. Il sortait d'un restaurant. Avec une cure-dent dans la bouche. Il a dépensé l'argent pour ses amis. Attends un peu. Je ne saisis pas ce que tu dis. Tu as vu mon mari en train de sortir de l'argent dans sa poche pour le dépenser sur ses amis. Ou tu l'as juste vu avec ses amis. Je ne comprends pas. Écoute, je suis en train de te dire que j'ai vu ton ami en train de dépenser l'argent pour ses amis. Tu l'as vu, en train de dépenser son argent. Il te dit toujours qu'il n'a pas d'argent. Il ne te donne même pas l'argent pour nos réunions, ni pour l'achat de quelques accessoires. Mais il dépense pour ses amis, parce qu'il n'a rien. Martina, merci beaucoup pour ton intérêt. Je l'apprécie. Ma chérie, en tout cas, t'es mon amie. Je ne peux pas te cacher des choses pareilles. Parce que je sais que toi aussi, tu peux le faire pour moi. Merci. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'étais partie acheter quelque chose là-bas, mais j'ai déjà fini. Je rentre déjà. Oh, vraiment? D'accord, ma chérie. Merci. Ton mari est un inconscient, ma chérie. Tu dois parler avec lui. Ok, c'est bon. Oui, je t'ai entendu. Mon cher Onyem, ton apparence me fait croire que tu es prête à faire n'importe quoi pour donner à ta femme cet argent. N'importe quoi. Oui. Mais pas. Pas tout en tout cas. Voilà que tu parles. N'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Regarde. Quoi donc? Merci. Je te suggère d'aller voir le chief Pato, le prêteur d'argent. Il est du cas, cela ne marchera pas. Oh non, cela ne marchera pas du tout. Mon dernier affrontement avec cet homme n'était pas du tout drôle. Je te mens pas, non? Tu as dit ton dernier affront. J'ai fini de travailler pour cet argent et il a refusé de me payer. Oui. Il m'a encore demandé d'attendre jusqu'à ce que le gouvernement le paye. Imagine ça. Qui peut faire ça? Je sais ce que j'ai fait, je mérite mon argent. C'était votre dernier affrontement. Écoute, cet homme peut être ton bout de chance. Tu sais très bien que cet homme ne donne jamais rien comme ça sans recevoir quoi que ce soit en retour. Et tu vois très bien que je n'ai rien du tout ici. Et s'il me demandait de lui donner quelque chose que je n'ai pas ici, où est-ce que j'aurais ça? Dis-moi un peu. Où vais-je l'obtenir? Ceci est tout ce que je possède dans ce monde. Cette maison, cette construction. Écoute, te voilà encore. Tu vois, tu sais que ce n'est pas intéressant de tirer des conclusions juste comme ça sans rien essayer. Tu n'as jamais été avec cet homme. Tu n'as jamais eu le temps de faire quoi que ce soit avec lui. Alors, pourquoi es-tu en train de conclure? Arrête de dire ça. Pourquoi tu racontes tout ça? Ce n'est pas comme ça que ça marche que je sache. As-tu peur ou quoi? Je n'ai pas peur. Qui ne connaît pas? Mec, arrête ce que tu dis là. C'est de l'argent que nous sommes en train de parler là. Sache-le bien. Si tu veux et si tu es prêt, allons voir cet homme. Et alors, s'il arrive qu'il nous donne des conditions que nous ne pouvons pas remplir, alors ça, ce sera un autre problème. Allons voir cet homme. Ok. Si tu le dis alors, il n'y a pas de feu du tout. On verra. Non, te voilà en train de parler. Mais sérieux, je continue de maintenir mon avis. Alors, allons-nous partir maintenant ou comment? On va attendre quoi encore? Allons-y tout de suite. Maintenant et tout de suite. Ah.
Iedika, j'ai vraiment besoin que tu me comprennes, oh. Je souhaite vraiment que tu me comprennes. Ce n'est pas comme si j'avais peur du Chief, mais... Au fait, ce dont je n'ai vraiment pas besoin, c'est les insultes du Chief. Les insultes? Mais tu n'as pas d'argent. C'est ce que tu cherches et toi tu parles des insultes. Hein, qu'est-ce qui est le plus important ici? C'est ce qui va dire qui compte ou c'est l'argent que tu cherches qui compte. Hein? Être fauché n'est vraiment pas le problème. Je ne veux pas de ces insultes. Non. Mets-toi à ma place. Chief, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour ça que nous sommes... Alors pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Non, dis-moi. Pourquoi êtes-vous là? Ne vous ai-je pas payé? Non, dites-moi. Chief, s'il vous plaît. C'est quoi le problème? Non, au fait, on a besoin... besoin que vous nous aidiez. Chief, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, j'aimerais que vous nous aidiez à cet instant. Aidez-nous à prêter à mon ami ici 50 000 naira. S'il vous plaît, messieurs, c'est urgent. Aidez-nous, nous allons rembourser. Et d'ailleurs, je vais l'aider à rembourser cela. Mmh. Oui. Que fais-tu dans la vie? Chief, qui ne connaît pas Iedika dans ce village? Je ne le connais pas. Il est fermier aussi. Oui. Je répète ma question. Que fais-tu dans la vie? Il est fermier. Ne peux-tu pas parler pour toi-même? Je ne suis pas là pour parler de mon travail. Jeune homme, que fais-tu dans la vie? Chief, je suis un fermier. Fermier? Comment feras-tu pour me rembourser 50 000? Chief, je comprends comment est-ce que vous vous sentez et ce à quoi vous faites face. Mais s'il vous plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé la fois dernière. J'espère que vous pouvez comprendre comment est-ce que je devais me sentir en cet instant-là. J'ai vraiment besoin de votre aide et je sais que vous pouvez m'aider. Juste reconsidérer les choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est de l'argent que nous parlons, rien d'autre. Je vous paierai le plus vite que possible. Ozubu? Je ne suis pas un prêteur d'argent. Et cet endroit n'est pas une banque. Non plus une organisation de charité. Le gouvernement me doit toujours mes 8 mois de pension. Toujours pas payé. Si on me payait, je te donnerais. Mais faisons ceci. Même si je faisais un effort pour te trouver l'argent, vous devez me présenter une hypothèque. Une hypothèque? Non, une tekpoi. Non, Chief, j'essaie de dire que nous devons plus nous baser sur la confiance. Hein? Vous me connaissez et je vous connais. Vous les connaissez et ils vous connaissent aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire... Ai-je l'air de ton père? Je ne pense pas... Ah, vas-tu la fermer? Vous ne voulez pas hypothéquer? Ici, c'est une maison de charité. Et je dois vous donner l'argent comme ça. Dégagez d'ici! Chief, s'il vous plaît... Mec, allons-nous-en, s'il te plaît. Je t'ai posé la question ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu m'as dit que tu es un fermier. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un fermier. Tu n'as même pas honte. Je t'avais bien dit que ça ne marchera pas. Chief ne donne jamais rien sans recevoir quoi que ce soit. Et tu sais très bien que c'est comme ça qu'il marche. J'avais dit à mon mari que je n'avais pas aimé les accessoires de l'année passée. Alors, cette année, je veux des histoires qui proviennent de Dubaï. Je veux de... Je suis contente pour toi. Et quant à moi, j'ai déjà parlé à mon mari. Je lui ai dit tout ce dont j'aurais besoin pour notre rencontre de cette année. Je mettrai des Gucci de haut en bas. Donc, ceinture Gucci, sac Gucci, robe Gucci, donc tout en Gucci. Je suis ravie pour toi. Tu sais quoi? À la fin de la cérémonie, ces filles de la cité, elles sauront qu'elles ne sont pas les seules qui mettent les habits de marque et s'habiller. Je suis contente pour vous. Nous ne sommes pas comme ces villageoises qui ne savent pas du tout s'habiller. Quand je me suis rappelée, qu'est-ce que ton mari a préparé pour toi pour notre réunion? Laisse-moi te dire ceci. On dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Martina, comment je peux m'aider dans cette situation? Je n'ai pas une business que je fais. Dis-moi alors, comment je peux faire pour m'aider? Bien.
Je peux te présenter à certains hommes qui peuvent prendre soin de toi. Non. Martina, tu veux que je couche avec un autre homme qui n'est pas mon mari, hein, c'est ça? Allez, ma chérie, s'il te plaît. Je ne peux jamais tricher mon mari pour l'argent. Ma dignité, mon honneur et mes valeurs sont précieux pour moi, s'il te plaît. Je ne peux me solder à un autre homme juste pour l'argent. Non. Jeannette, qui manque la dignité ici? D'ailleurs, dis-moi, qui n'est pas marié parmi nous? Regarde ta condition, non? Tu vas rencontrer quelqu'un qui va juste t'aider, tu vois? Rien de grave. Écoute-moi, Martina. La réputation est mieux que les richesses. Ne vous en faites pas, je ne m'en plains pas. Ça me va. Vos maris prennent bien soin de vous, ok, je partage votre bonheur. De même pour toi, si ton mari prend bien soin de toi, ok, d'accord. Je vais me contenter de paix que j'ai. C'est quoi cette histoire? Laisse-moi te dire une chose, ma belle, parlons des réputations. Tu n'as pas une bonne réputation, ma belle, parce que ta vie, elle est tellement misérable. Et ne parlons même pas de ton soi-disant mari. Ça, c'est la raison pour laquelle je m'avais appelé ici. Ok, d'accord, je vous ai entendu. Je t'avais dit, hein? Iedika, je te l'avais dit. Cet homme ne peut jamais donner n'importe quoi sans recevoir quoi que ce soit en retour. Ces cadeaux viennent tout droit du diable. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Imagine, il veut que je lui donne une hypothèque. Où et comment vais-je avoir ça? Où vais-je l'avoir? Dis-moi. Ok, très bien, alors, ça va. Puisque tu as vraiment besoin de cet argent, pourquoi ne pas la lui donner et sauver ton mariage qui court un grand risque? Je devrais lui donner quoi? Lui donner ma maison. La seule chose qui me reste dans ce monde. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire? La seule chose que j'ai héritée de mon père. Je devrais lui donner ma maison pour juste 50 000. Iedika. Vraiment? Alors, dis à ta femme d'arrêter de te déranger. Dis-lui d'arrêter. C'est aussi simple que ça. My whole life is so shut down. I don't know why it's centered now. My whole life is shattered, which is the option now? Suicide. Let me die. I've been looking for a shoulder to lean on. I've been looking for a chest to cry on. And you came my way and you made me smile. Now I'm begging you, do not walk away. So baby, slow down. Do not make me cry. My whole life is so shattered. I don't know why it's centered now. My whole life is shattered, which is the option now? Suicide. Let me die. I've been looking for a shoulder to lean on. I've been looking for a chest to cry on. Ah, you came my way and you made me smile. Now I'm begging you, do not walk away. So baby, slow down. Do not make me cry. Thank you.
travailles pas. Tu travailles pas. Le patron est là-haut, il est déjà là. Réveille-toi. Il faut te réveiller. Il faut travailler comme si tu avais direct sur ton argent. C'est comme ça que tu comptes gagner de l'argent dans ces chantiers. Oga, qu'est-ce qui te fait dormir comme ça? Mais j'ai travaillé, non? Nous ne sommes pas dans une organisation de charité. Si tu ne sais pas travailler, alors rentre à la maison. Oga, j'ai travaillé. Lève-toi et bouge ton cul, espèce d'idiot. Qu'est-ce qui te prend, toi? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? N'importe quoi.
qu'est-ce qui se passe exactement? Pour dire que tout ceci n'est juste que pour avoir 12 000 Naira. Un ordinaire 12 000 Naira. Comment vais-je compléter cet argent maintenant? Hein? Comment vais-je compléter cet argent? Malgré tous mes efforts, 12 000 seulement. Hey! Yedjika, regarde un peu toute la montagne d'efforts que j'ai fournis. Mais regarde un peu cet argent. Je pense que tout ne va pas bien. Rien ne marche du tout. Rien ne marche du tout, mec. Hein? Je me disais que j'avais déjà plus de 25 000 ou peut-être 40 000 Naira. Mais je n'ai que 12 000 jusqu'à maintenant. Je ne pense pas du tout que ça marche, oh. Ceci n'est plus du tout normal. Écoute, selon ce que tu me racontes, et même en observant ton expression faciale, essaies-tu de dire que tes finances sont en train de subir une attaque diabolique? C'est possible! C'est possible! Hein? Check ça, non? Check ça, mec, vas-y! Ça pourrait bien l'être! Quel que soit ce que je fais, l'argent ne vient jamais! Comment est-ce que je peux continuer à travailler comme un éléphant et puis pleurer comme une fourmi? 12 000 à peine. Comment vais-je atteindre 50 000 pour ma femme? Où vais-je aller, bro? Comment vais-je avoir l'argent? Et tu penses que c'est ordinaire? Ça ne l'est pas, non? Écoute, mec, je n'arrive pas tellement à comprendre et à saisir ce que tu essaies de me dire. Ok, dis-moi. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ça? Ok, bien, pas juste toi, parce que nous sommes à deux, ok? Si je peux te demander, que pouvons-nous faire à propos de ça? Pour résoudre ce problème spirituel dont tu fais allusion, que faire? Village. C'était pour se trouver ton mari, notre Roméo. Quel sera ton sort à notre réunion de cette année? Je crois qu'on ne va pas te chasser comme la fois passée, hein, ma chère Jeannette. On ne doit pas seulement la mettre à la porte cette fois-ci. Je veux m'assurer qu'on aille dans sa maison en prenant ses histoires, parce qu'elle et son mari nous ont vraiment humiliés dans ce village. Jeannette, elle a intérêt de ne pas s'approcher de nous. Oui, qu'elle s'approche de nous. Juliette et Roméo. Je te jure, ma chère. Juliette, Roméo, n'importe quoi. Avec son plus beau amour de ce village. Mais de quel stupide amour es-tu en train de parler? Ah, t'inquiète. Tu sais, tant mieux me marier à Kobi. À la place de me marier un homme qui ne saura pas me nourrir, qui ne saura pas prendre soin de moi comme je suis. Vraiment? Il a été abouché. Menache, menari wajo. L'esprit a dit, le combat que tu as est très fort. Et si vraiment rien ne se fait, je veux dire, si rien ne se fait le plus vite possible. Désolée de te dire que tu resteras pauvre de toute ta vie. Non, sans effet. Ce n'est pas ma position. Ah! Sainte femme, je vous prie, aidez-moi. Hein? J'ai vraiment souffert, oh. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où et comment vais-je me sortir de là, s'il vous plaît? J'ai besoin que vous puissiez me faire quitter de cette condition. Je suis prêt à tout faire. Pardon. Tu vas acheter deux œufs.
7 noix de cola, 3 bouteilles d'huile d'olive, pas du Nigeria mais de Jérusalem. Et tu vas m'emmener de l'eau de la rivière de Bethel. Si tu emmènes toutes ces choses, je t'emmènerai à la rivière. Et tu seras lavé pendant 3 jours. Après toute cette pratique, ta malédiction partira. Trois bouteilles d'huile d'olive provenant de Jérusalem. Tu m'as bien entendu. L'eau de Bethel. Où pensez-vous que je vais obtenir tout ça? Hein? Je suis ici et vous me parlez de Jérusalem ainsi que Bethel. Ok, d'accord. Aidez-moi. Essayez juste de m'aider. Donnez-moi ce que je veux sans passer par ces genres de choses. Je reviendrai toujours pour vous remercier. Hein? Croyez-moi, je reviendrai toujours de temps en temps pour vous remercier. Voilà. Faites-le seulement pour moi. S'il vous plaît, je vous en prie. Je veux bien t'aider, jeune homme. Merci. Mais ça va te demander 107 810 naira. Vous avez dit combien? Oui. Est-ce que vous avez dit 107 810 naira? Tu m'as bien entendu. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Pourquoi continuez-vous à rendre les choses plus difficiles pour moi? Où pensez-vous que je puisse obtenir une telle somme? Si j'en avais, je ne serais pas ici. Si j'avais une telle somme, vous ne me verrez jamais ici. Juste une toute petite chose, non? Rien de grave, faites-le juste pour moi, non? Vous parlez de 107 000. Où est-ce que je puis... S'il vous plaît. Il y a sûrement une autre option. D'accord. Comme tu ne sauras pas réaliser cette épreuve, il te reste une autre option. Ok. Laquelle? Couche avec moi. Sans, c'est fait. Fais-moi ressentir comme une vraie femme. Prends-moi. Et je te donnerai toutes ces choses. Je ne puis commettre un tel mauvais acte avec toi. Comment veux-tu que je couche avec toi? Comment veux-tu que je fasse l'amour avec toi? Tu veux que je couche avec toi? Ah! Je t'ai pourtant dit que j'ai un problème. J'ai cru que tu étais une vraie prophétesse. Donc tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu veux que je couche avec toi? Sans effet. À moins que je ne meure. Tais-toi, jeune homme. Tu vas partir pour revenir. Je t'attends. Tu ne peux pas me séduire. Hein? Va séduire les gens que tu aimerais séduire et pas un gentleman comme moi. Tu ne peux pas me séduire. Tu ne m'auras pas dans ton jeu. Moi coucher avec toi. Sans effet. Ah, c'est pas... Tu vas revenir. Yéjika. Oui, vas-y mon frère. J'ai visité une prophétesse aujourd'hui même. Es-tu sérieux? C'était urgent? Mais tu ne m'as rien dit? Parce que je suis inquiet. Ma tête n'est pas du tout tranquille. Que se passe-t-il? Je ne sais toujours pas quoi faire, ni comment m'en sortir. Parce que je me demande pourquoi deux jeunes et vifs hommes comme nous deux devrions avoir la chasse comme notre moyen de vivre de tous les jours. Ouais, comme si nous n'avions jamais pris une bonne voie vers le succès. Ça veut dire quoi? Mais tu continues à te plaindre de la manière dont les choses évoluent ça et là. Tu as dit que tu as été voir une prophétesse, c'est ça le sujet. Mais de quoi tu parles encore, mec?
Parle de ce que tu voulais. Et j'ai même... J'ai regretté d'être allé là-bas, bro. J'ai regretté. J'ai regretté d'avoir posé mes pieds dans cette maison, dans cette parcelle aujourd'hui. Cette femme ne mérite même pas qu'on puisse parler d'elle. Elle n'est qu'une merde. Une totale merde. Oh bien quoi. Oui. Comment peux-tu dire ça? Tu te bases sur quoi? Peux-tu imaginer, mec? Es-tu prophète? Alors comment peux-tu décider si elle est bonne ou mauvaise? Iyedjika, sais-tu ce qu'elle m'a dit? Tu devrais me demander, non? Imagine une femme qui se nomme elle-même servante des dieux. Elle n'a pas bien prédit ou quoi? Dis-moi. Prédire quoi? Cette femme m'a demandé de coucher avec elle. Iyedjika, cette femme m'a demandé de faire l'amour avec elle juste avant qu'elle ne puisse... As-tu dit que t'as été voir une prophétesse ou une prostituée? Une prophétesse, non. C'est comme ça qu'elle se fait appeler. Mais comment ça? Une prophétesse couchée avec moi? Ah! Cela ne sera possible qu'avec mon cadavre, en tout cas. Je te dis. Ah, c'est très perplexe. Ah, gars, j'ai besoin de la solution à mon problème. Ma femme est... Et vraiment dans le besoin. Je suis en train de perdre mon foyer. Je suis en train de perdre ma famille. Ma vie n'est pas équilibrée là. Tout n'est que plaisanterie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi sommes-nous ainsi? C'est bon mon cher. Écoute, la meilleure des choses est que nous sommes dans le processus. Mais ne t'en fais pas, hein? Nous allons continuer à faire quelque chose. Hmm? Te dérange pas. Ah! Oh, il faut ça aimer. Hein? Nos esprits sont ouverts et on va continuer à chercher. Nous sommes sur le chemin vers la solution. Ne te dérange pas. Mec, écoute, prends courage, ça ira. Viens, mec, que je te fasse quelque chose. Tu en as besoin. Onyema, les moments de désespoir nous emmènent à des actions désespérées. Toi et moi savons très bien que les moments que tu passes maintenant sont des moments de désespoir. Et il est temps pour toi d'agir de manière désespérée. Tiens donc, tu vas tout perdre. Ta femme et même ton esprit. Nous ne parlons pas comme c'était avant. Tout ce que tu fais, c'est garder le visage malheureux comme ça toute la journée. Écoute, mais pendant combien de temps allons-nous continuer ainsi? J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à quelque chose. Il y a un homme qu'on appelle Adjofia, Nanofia. J'ai vraiment beaucoup appris de lui. Selon mes sources, la seule chose que cet homme-là n'arrive pas à faire, c'est de faire tomber Dieu du ciel. Onyema, je pense qu'il est temps pour nous d'aller rendre visite à cet homme. Ouais, c'est vraiment le moment propice. Et nous en avons besoin. Oh oui, nous devons rendre visite à cet homme. Et c'est le moment de le faire. Ah! Ça, c'est quel genre de vie comme ça? Hein? Dieu, il n'y a plus rien à faire. Pendant combien de temps allons-nous continuer ainsi? Les choses n'évoluent pas du tout. Écoute, tu n'as qu'à prendre une décision. Hein? Mais pour moi, je suggère que nous partions rendre visite à cet homme. Tu ne peux pas tout perdre comme ça. Thank you.
Non, 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 il y a du carton, non? Hein? Où est-ce que tu m'emmènes d'abord? C'est quelle question stupide comme ça? Où avions-nous décidé d'aller en prairie? Tu ne m'avais pas dit que ça serait si loin, non? Oh, je ne t'avais pas dit. Oui! Voulais-tu que je me promène avec la carte ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend, mec? Si tu veux une chose, tu dois te sacrifier. Quelqu'un encore où? Tu aurais dû me dire que ça serait si loin. Et non, c'est mon assez même. Hein? Ça fait déjà longtemps qu'on est en train de marcher. Ça fait des heures et tu te vois en train de me dire n'importe quoi. Écoute, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait que tu te plains pour des petites choses. Ce n'est pas si loin que ça. Eh oui, il est où mon problème, hein? Tu aurais dû me dire, j'aurais bien mangé avant de quitter la maison. Nous y sommes presque. Mais presque où? C'est ce que tu as dit là-bas. Et te voilà en train de dire la même chose. On y est presque. Mais quand allons-nous arriver? Amo Amazi. Allons-y. Dis-moi, mec, tu abandonnes ou quoi? Veux-tu y aller? Non, j'essaie juste de comprendre le truc. Mais qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Nous marchons ensemble et si tu n'arrives pas à comprendre. Mais le voyage, non, il commence à devenir plus long que prévu. Hein? J'aurais dû me dire non. Je me serais très très bien préparé. Sérieux? Hein? Comme si tu en avais les temps. J'aurais emprunté. Mon cher, partons par là, sinon tu risques de nous faire perdre. J'ai comme l'impression que tu t'es perdu depuis tout ce temps. Yéduka, tu crois que c'est ici? Tu ne vois pas que c'est un sanctuaire? Qui ose pénétrer dans le sanctuaire secret du grand Adjofia Nanofia? Eh mon Dieu, mais dis quelque chose, non? Dis quelque chose, voyons. Ce sont vos enfants, hommes sages. Débarrassez-vous de vos babouches et lavez vos mains dans la marmite secrète. Va te laver, va laver. Il a dit que nous devons nous laver. Mais toi commence, non? Toi commence. Hein, vas-y, nettoie tes mains. Bienvenue, bienvenue dans le sanctuaire secret de Adjofia Nanofia. Bienvenue dans la terre secrète de Adjofia Nanofia. Bienvenue dans la terre du lait et du miel. Bienvenue dans la terre de la richesse et d'honneur. Vous êtes les bienvenus dans le monde du pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Ah, tout problème humain n'est pas un problème. Ah, les riches sont fabriqués et les problèmes sont résolus. Beaucoup d'hommes sont passés par ici. Oui, beaucoup d'hommes. Mais certains ont préféré se baigner dans la rivière de la pauvreté. Dis les désirs de ton cœur. Go, grand homme. Nous voulons votre. Hé, n'ose plus jamais parler pour le destin d'un autre homme.
ne parle jamais à la place d'un autre homme. Parce qu'il y a une différence entre les deux choses, les deux grandes parties qui font l'homme. L'une est positive, l'autre est négative. Dis le désir de ton cœur. Grand sage, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... L'argent est une défense. L'argent est une défense. Celui qui en a aura le contrôle sur tout le monde, sur toutes les choses dans cet univers. Dois-je lui parler de 50 000 Naira? Avec Jeannette et son mari. Parce que je viens de réaliser que ça fait beaucoup de fois que je vous trouve en train de vous chamailler. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal? Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais tu m'as quand même aidé à les combattre. Donc cela veut dire que tu es une idiote? Quant à moi, je vais continuer à les combattre jusqu'à ce qu'ils vont changer. Parce qu'ils se prennent comme s'ils étaient le seul couple dans ce village. Jésus! Es-tu en train de dire que tu les détestes juste parce que tu les envies? Tu envies l'amour que son mari a pour elle? Appelle ça comme tu veux, ça m'est égal. Quant à moi, je vais continuer à la combattre. N'est-ce pas que tu es mariée? Je ne suis pas mariée. Alors pourquoi doit-il se comporter comme s'ils étaient les seuls? Tu sais, dans l'avenir, si elle n'arrive pas à payer ses dettes, je vais tellement l'humilier, je lui donnerai l'humiliation de sa vie. Je te l'ai dit. Mets dans ta tête que je ne te soutiendrai pas. J'aime ce couple. J'aime leur façon de faire des choses. J'aime leur amour, leur confidentialité. Je te dis, j'aime tout ce qu'ils font en fait. Mais toi, tu es là en train de les détester pour rien, je sais pas. Tu ne feras pas partie de ça. Jamais. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas de t'avoir invité dans ma bataille. Ok, oh. Je vois que tu veux te joindre à elle et te faire passer pour une bonne. Alors vas-y. Pour chaque chose, il y a un prix à payer. Il n'y a rien qui puisse se donner gratuitement. Il n'y a rien pour rien. Jeune homme. Oui, grand sage. Pour que tu connaisses le succès dans la vie, la puissance, la grandeur, les lois doivent être appliquées. Ces lois doivent être équilibrées. Pour que tu sois riche d'une richesse sans fin. Pour que tu sois un grand parmi les grands. Les plus puissants parmi les puissants. Il n'y a rien pour rien. Je répète, les lois de la nature doivent être équilibrées. Prends les couteaux dans les bassins secrets. Prends les couteaux dans les bassins secrets. Mets-toi devant la marmite de la pureté.
enfonce. Enfonce-le. Mon estomac, grand sage, qu'est-ce que ma femme fait dans votre peau? Bien ma femme. Yedika. C'est ça le prix à payer. Tu veux être grand parmi les grands. Les grands Adjofia de Nofia. Prends tout ce qu'il veut à qui il veut pour donner la richesse, le pouvoir, l'honneur. Ainsi que la grandeur. Un instant. Êtes-vous en train de me dire que je viens juste de sacrifier ma femme? C'est ce que vous dites? Ma femme? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les grands Adjofia de Nofia. Les plus grands. Les plus puissants de tous. Prends tout ce qu'il veut pour donner le pouvoir, la richesse ainsi que l'honneur. Non, ne me dites pas ça. Mais écoute. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Comment puis-je donner ma femme en sacrifice? Pourquoi est-ce qu'on... Ce qui est fait, est fait. Annulez ça, oh. On ne peut plus faire marche arrière. Annulez ce sort. Annulez-le parce que je... On peut toujours... Lève-toi, non mais qu'est-ce que tu fais là? Dis-lui de me rendre ma femme. On peut toujours... Regarde ma femme dans son pot, non? Regarde ma femme dans son pot. En gars, qu'avez-vous fait à ma femme, non? Quel lui avez-vous fait, hein? Qu'avez-vous fait? Yéduka, dis quelque chose. Viens là, viens, regarde ma femme. Ma femme, elle est là. Onyema. Onyema. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Et pourquoi est-il en train de courir comme si sa maison était en train de prendre feu? Oh!
Ah, j'espère qu'il n'y a rien de mal. Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. À l'aide, que quelqu'un m'aide, que quelqu'un m'aide. Non, non, non. Chérie, réveille-toi, chérie. Chérie, non, ne me fais pas ça, je t'en prie. Grand sage. Grand sage. Grand sage, je vous en prie. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Je suis vraiment désolé. J'implore votre pardon, s'il vous plaît. Prenez ma vie à la place, s'il vous plaît. Prenez la mienne. Donnez-lui toute la richesse. Je n'en veux plus du tout. Elle est tout ce que je possède. Je ne veux plus du tout de ces richesses. Qui sera en train de dépenser tout cet argent avec moi? Qui va savourer cette richesse avec moi? Elle est tout ce que je possède, elle est tout ce que j'ai. Elle... Je vous demande pardon. Je vous supplie au nom des dieux, juste prenez ma vie, prenez ma vie, prenez la mienne. Non! Il n'y a rien que quelqu'un, même moi, puisse faire en ce moment pour l'aider. Non, vous montez mon sage, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Son esprit a déjà dépassé la limite entre les vivants et les morts. Hey, Mbano, pas ça. Je t'avais dit qu'un arbre coupé ne peut plus s'élever. Non, grand sage, s'il vous plaît, récupérez cet esprit de ma femme et... Non, grand sage, non. Mon amour, je suis désolé. Oh, mais... Hey! Où est ma femme? Où est ma femme? Ma femme? Où est ma femme? Elle est où?
Ah ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à ma femme? Tu étais censé t'apprêter pour les choses dont on avait parlé, non? Mais pourquoi est-ce que tu dors la journée? Ou as-tu pris de l'alcool ou quoi, mon cher? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai juste fait un mauvais rêve. Vous avez bien gardé ça, j'espère? Oui, je l'ai ici. Fais-moi voir un peu. Ah! Oh, mais je t'avais rassuré, trop non? Beau, hein? Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est à l'intérieur. Elle se prépare un peu, tu vois? Ouais, tu verras que ça va marcher. Parce que quand je te disais, tu doutais. Tu as vu, Venez.